Move. Je sais pas si t'as vu, les produits bio sont pas si écolo. Selon une étude du magazine UFC Que Choisir, qui a testé 130 produits, le label bio ne tient pas toujours ses promesses. Non-respect des saisons, produits importés du monde entier, donc avec une grosse empreinte carbone, et en plus, ils utilisent beaucoup d'emballages plastiques. D'après mes calculs au supermarché, si on enlève tout ce qui ne respecte pas l'environnement, ni la santé, comme les sodas, les OGM, le gras, le sucré, il nous reste deux pommes et les caissières. Pas pratique. Je sais pas si t'as vu les Césars des jeux vidéo. Le syndicat national des jeux vidéo vient d'annoncer qu'à partir de 2020, l'industrie vidéoludique aurait sa cérémonie, les Pégases. Alors c'est bien, c'est super. Mais moi je me méfie toujours quand on parle des Césars de quelque chose. C'est comme quand on dit à la française. Ça part d'une bonne intention. Mais je rappelle que les Grammy Awards à la française, c'est les victoires de la musique. Le Barack Obama à la française, Emmanuel Macron. Globalement c'est décevant. Tout est décevant quand même, hein. Imagine on te dit que je suis le Will Smith à la française. Eh ben t'es déçu, si. Si, je suis moi-même déçu de pas être Will Smith, alors... Je sais pas si t'as vu le premier rappeur milliardaire. Eh ben c'est Jay-Z qui atteint ce chiffre stratosphérique du milliard de dollars. Et c'est pas grâce à la musique. Avec l'immobilier, c'est ce qui lui rapporte le moins. En fait, il a des investissements en bourse, et surtout, près de 500 millions viennent de sa marque de champagne et de cognac. Donc en fait, c'est pas du tout un rappeur milliardaire. C'est un vigneron. Si. Tu es connecté sur Move.